Docteur Synapse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épanchement pleural. Avant de rentrer dans la pathologie, nous allons discuter de l'anatomie et de la physiologie de la cavité pleurale. Tout d'abord, la trachée, la branche souche droite et gauche, les poumons et les différentes divisions des bronches. En dessous du poumon, le diaphragme qui est plus fin du côté droit par rapport au côté gauche. Le premier feuillet qui est collé au poumon est la plèvre viscérale. Le deuxième feuillet qui entoure cette plèvre viscérale est la plèvre pariétale. Entre ces deux feuillets, nous avons la cavité pleurale. Nous allons maintenant zoomer au niveau de cette cavité pleurale pour essayer de comprendre ce qui se passe autour. Le poumon est constitué d'alvéoles, qui permettent les échanges gazeux. À côté de ces alvéoles, nous avons les capillaires pulmonaires. Nous avons ensuite la plèvre viscérale, qui délimite l'espace viscéral. Un peu plus externe, la plèvre pariétale, et entre la plèvre pariétale et viscérale, la cavité pleurale. Entre la cavité pariétale et la cage thoracique, nous avons des capillaires systémiques et ne pas oublier les lymphatiques pariétales qui permettent de drainer le liquide à l'intérieur de la cavité pleurale, et cela par un petit trou qui s'appelle stoma. Cet espace se nomme l'espace pariétal. La pression hydrostatique entraîne normalement l'entrée de liquide des capillaires systémiques vers la cavité pleurale. Ce liquide qui s'accumule à l'intérieur de cette cavité pleurale va être drainé par les lymphatiques pariétales en passant par le trou qui s'appelle le stoma. plusieurs phénomènes peuvent entraîner l'accumulation de liquide à l'intérieur de cette cavité pleurale. s'il y a trop de liquide à l'intérieur de cette cavité pleurale, on aura un épanchement pleural. ceci peut être dû à une augmentation de la pression hydrostatique avec entrée de plus de liquide des capillaires systémiques vers la cavité pleurale, la quantité de liquide drainée normalement par les lymphatiques n'est pas suffisante. Et donc, accumulation de liquide à l'intérieur de cette cavité pleurale, épanchement pleural. On peut par exemple aussi avoir une inflammation très importante des vaisseaux, entraînant une fuite de liquide. Il faut imaginer comme s'il y avait des trous au niveau de ces vaisseaux, avec sortie de liquide qui rentre. Plus au niveau de la cavité pleurale, et donc épanchement pleural. Autre mécanisme qui entraîne un épanchement pleural, l'accumulation par exemple d'acide à l'intérieur de l'abdomen, avec un passage de liquide à travers le diaphragme. Souvent, il passe plus du côté droit parce que le diaphragme est plus fin, et donc accumulation de liquide à l'intérieur de la cavité pleurale, épanchement pleural. Autre mécanisme assez simple à comprendre est la présence d'une tumeur qui bouche les lymphatiques pariétales, ici euh, qui bouche le trou qui est le stoma, et donc accumulation de liquide à l'intérieur de la cavité pleurale. Maintenant, on va passer plus spécifiquement à la pathophysiologie de l'épanchement pleural. L'épanchement pleural peut être expliqué par deux mécanismes soit qu'il y a un problème de pression. Et là, on aura peu de protéines à l'intérieur de cet épanchement pleural. Ce liquide s'appellera transuda. Différentes pathologies peuvent entraîner un transuda. L'insuffisance cardiaque, l'hydrothorax hépatique, le syndrome néphrotique, l'hypoalbuminémie, l'atelectasie pulmonaire et ça peut être également iatrogène. Le deuxième mécanisme étant un problème de tuyauterie. Qu'est-ce que ça veut dire Là on aura un excès de protéines et ce liquide s'appellera Exuda. Ça peut être dû à plusieurs pathologies, malheureusement je n'aurai pas le temps de toutes les citer. Les causes étant infection, néoplasie, inflammatoire comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, le mouvement de liquide de l'abdomen vers l'espace pleural, dans le cadre de pancréatite, acide néoplasique ou par exemple aussi abcès au niveau du foie. L'embolie pulmonaire et l'ARDS. Et pour finir, iatrogène comme une perforation oesophagienne. Les médicaments peuvent également entraîner un exsudat, comme le méthotrexate. Comment alors faire la différence entre un transsuda et un exsuda. Plusieurs critères vont permettre de différencier entre les deux. Tout d'abord, après avoir ponctionné ton épanchement pleural, tu vas voir la couleur, l'aspect et l'odeur de ton liquide pleural. Mais pour vraiment différencier entre les deux, tu vas utiliser les critères de Light. Un critère sur trois est suffisant pour différencier entre Transuda et exsuda. Si le rapport protéine pleurale sur protéine plasmatique est supérieur à 5, c'est un exuda. Inférieur à 5, pensez à un transsuda. Deuxième critère, LDH pleural sur LDH plasmatique supérieur à 0,6, pensez à un exsuda. Inférieur à 0,6, plutôt transuda. Le dernier critère étant le LDH pleural supérieur à deux fois la limite normale supérieure du LDH plasmatique. Ces critères de light sont très sensibles pour détecter un exsudat, mais pas assez spécifiques. Un exemple pour montrer ce manque de spécificité est l'insuffisant cardiaque qui est sous-durétique. 25% des transsudats sont faussement classés comme exsudats. Si jamais tu es dans ce cas de figure, tu peux utiliser d'autres petites formules pour différencier entre transsuda et exsuda. Si les protéines plasmatiques sont supérieures à 3,1 g par décilitre plus protéines pleurales ou albumine plasmatique supérieure à 1,2 g par décilitre plus albumine plasmatique, il faut penser plutôt à un transsuda. D'autres critères, mis à part les critères de Light, être utilisés. Si jamais par exemple tu es dans un pays en voie de développement et que c'est trop cher d'analyser l'épanchement pleural plus la prise de sang, tu peux te contenter d'analyser juste le liquide pleural. Si tu as des protéines pleurales supérieures à 3,1 g par décilitre ou albumine pleurale supérieure à 1,2 g par décilitre, il faut penser plutôt à Nexuda. Il est également extrêmement important d'analyser le nombre de neutrophiles que tu retrouves à l'intérieur de ton liquide pleural. Si tu as un exsudat que les neutrophiles sont inférieurs à 5000, pense plutôt à une tuberculose ou une néoplasie. Compris entre 10 000 et 50 000, pense plutôt à une pancréatite ou une pneumonie bactérienne, voire à lupus. Supérieur à 50 000, là c'est souvent un empyème. Le dosage du ADA peut être intéressant pour différencier entre néoplasie et tuberculose. Inférieur à 40 unités par litre pense plutôt à une néoplasie, supérieur à 40 unités par litre pense plutôt à une tuberculose. En restant toujours dans l'exuda, les infections, les néoplasies et les maladies inflammatoires comme le lupus ou le polartrytomatoïde se caractérisent souvent par un glucose pleural inférieur à 60 mg par décilitre. Et un rapport glucose pleural sur glucose plasmatique inférieur à 0,5. Nous allons maintenant essayer de comprendre comment se produit cet épanchement pleural pour différentes pathologies. Le poumon, à côté le cœur. On va essayer de comprendre comment se produit cet épanchement pleural lors de l'insuffisance cardiaque gauche, plus ou moins droite. S'il y a un problème au niveau du corps gauche et que celui-ci n'arrive pas à bien pomper le liquide, celui-ci va s'accumuler au niveau des veines pulmonaires en amont et donc augmentation de la pression hydrostatique au niveau des capillaires pulmonaires avec une entrée plus importante de liquide à l'intérieur de la cavité pleurale et donc épanchement pleural. Ceci est dû à un problème de pression et donc... On aura un transsuda. Passons maintenant à un patient plutôt cirrhotique, avec une hypertension portale. On aura alors accumulation d'acide au niveau de l'abdomen. Le liquide d'acide peut alors passer par les petits trous qui se trouvent au niveau du diaphragme, plus facilement du côté droit, parce que le diaphragme est plus fin. Dans 73 à 85 des cas. On aura un épanchement pleural du côté droit dans 13 à 17 des cas, épanchement pleural du côté gauche et dans 8 à 24 des cas, épanchement pleural bilatéral. Ceci s'appelle l'hydrothorax hépatique chez le patient cirrhotique avec hypertension portale. Cet épanchement pleural est dû à un problème de pression, on aura alors un transsudat Imaginons cette fois-ci que ton patient a des reins très malades. Ses reins n'arrivent pas à filtrer les protéines. Il perd énormément de protéines dans les toilettes. Ça s'appelle un syndrome néphrotique. À cause de la diminution de la pression oncotique à l'intérieur des vaisseaux, on aura une entrée plus importante de liquide à l'intérieur de la cavité pleurale, entraînant un épanchement pleural. Ceci est dû à un problème de pression et donc, le liquide sera à transsuda. Imaginons cette fois-ci que tu as essayé de mettre en place un cathéter veineux central, mais que tu es rentré au niveau de la cavité pleurale et que tu injectes plus de glucosé, on va dire 5%, au niveau de cette cavité pleurale avec épanchement pleural. Ce problème est iatrogène, c'est-à-dire que tu l'as provoqué. Le liquide peut être soit transsuda, soit exsuda. Autre mécanisme, l'hypoalbuminémie. Tu as peu d'albumine au niveau de tes vaisseaux. La pression oncotique à l'intérieur des vaisseaux est très faible par rapport à la pression oncotique de la cavité pleurale. Et donc passage de liquide des vaisseaux vers la cavité pleurale, et épanchement pleural. C'est un problème de pression. Alors, on aura un transuda. Cette fois-ci, il faut imaginer que tu as une néoplasie qui bouche un peu tout, essentiellement les lymphatiques, mais qui peut aussi entraîner des inflammations. Accumulation de liquide à l'intérieur de la cavité pleurale et donc épanchement pleural. D'autres critères permettent de t'orienter, je ne dirais pas de poser un diagnostic, mais de t'orienter vers une néoplasie, comme le glucose pleural inférieur à 60 mg par décilitre, un rapport glucose pleural sur glucose plasmatique inférieur à 0,5 ou un ADA inférieur à 40 unités par litre. Ici, c'est un problème de tuyauterie, on aura alors un exuda. Imagine cette fois-ci que tu as une atelectasie complète de ton poumon droit, dû à un bouchon miqueux. La pression à l'intérieur de ton espace viscéral va être très négative, et donc plus de passage de liquide de l'espace viscéral vers la cavité pleurale. Épanchement pleural. Ceci est dû à un problème de pression. On aura alors un transsudat. Imagine cette fois-ci que tu as une inflammation, voire une infection. Libération de médiateurs inflammatoires de façon très importante. Il faut imaginer que tes vaisseaux vont être bien plus perméables, limite entre guillemets trouée. Sortie de liquide des vaisseaux. Accumulation de liquide à l'intérieur de la cavité pleurale. Épanchement pleural. On a un problème de tuyauterie parce que ces vaisseaux sont complètement déglingués et donc exsudat. Maintenant, on va parler du cas de l'embolie pulmonaire. Il y a deux processus qui se mettent en place. Ton capillaire pulmonaire peut être bouché, ce qui peut entraîner une ischémie, mais aussi la libération de cytokines inflammatoires qui vont altérer la perméabilité de tes vaisseaux. On aura alors une fuite de liquide des vaisseaux vers la cavité pleurale. C'est un problème de tuyauterie exuda. La toute dernière partie de cet exposé va être consacrée au diagnostic de l'épanchement pleural. Tout d'abord, l'anamnèse et l'examen physique. Plus l'épanchement pleural sera important, plus le patient sera symptomatique. Un patient avec un épanchement pleural assez conséquent peut être dyspnéique, présence d'une fréquence respiratoire qui est augmentée, voire d'une diminution de la saturation en oxygène. Un autre truc intéressant à faire lors de l'examen physique pour diagnostiquer un épanchement pleural est la percussion. Lors de la percussion d'un épanchement pleural conséquent, tu devrais entendre une matité. Ton stéthoscope peut aussi t'aider. Qu'est-ce que tu entendras au stéthoscope Tu vas entendre une diminution du murmure vésiculaire, voire une abolition de celui-ci lorsqu'on a un épanchement pleural assez conséquent. On arrive maintenant à la radio du thorax. Voici quelques cas cliniques. Homme de 30 ans. Qui se présente pour dyspnée et douleur thoracique à gauche. Voici le signe du ménisque qui délimite la partie supérieure de l'épanchement pleural. Là, je vais marquer l'épanchement pleural. Petit conseil, regarde toujours le profil de la radio de thorax. Pourquoi Lorsque tu as un patient qui a un épanchement pleural, si tu fais un cliché classique, postéro-antérieur en position debout tu ne vas détecter l'épanchement pleural qu'à partir de 250 voire 600 ml. Alors que le cliché de profil te permettra de détecter des épanchements pleuraux avec une petite quantité de liquide. Ce patient avait un épanchement pleural gauche dû à des métastases pleurales à cause d'un mélanome. Là, je te laisse interpréter. Ici c'est un épanchement pleural droit dû à une tuberculose. Patient de 65 ans qui se présente pour dyspnée. À l'examen physique, il a une matité de la base gauche. Je te laisse interpréter. Épanchement pleural gauche. Remarque que la trachée est déviée à cause de l'importance de l'épanchement pleural gauche qui pousse sur le médiastin à droite. Femme de 65 ans qui se présente pour dyspnée. Diagnostic Épanchement pleural bilatéral. Et ici, c'était dû à une vasculite et plus spécifiquement à une panne, polyartérite noueuse. Je te laisse interpréter cette radio du thorax. À droite, nous avons une élévation de l'hémidiaphragme droit. Mais également, tu remarques une masse apicale à droite. La masse apicale à droite, c'est probablement une tumeur. Et l'élévation de l'hémidiaphragme droit est due probablement à une paralysie du nerf phrénique droit. Quel est ton diagnostic Ici, tu as un poumon droit complètement blanc. Ça peut être soit un épanchement pleural ou une atelectasie complète de ton poumon droit. Comment tu fais la différence entre les deux Ici tu remarques que tu as traché plus dévié, mais plutôt du côté du poumon blanc. Et donc, à la différence de la radio qu'on a vue avant, ici c'est une atelectasie complète de ton poumon droit. Une autre méthode plus élégante pour diagnostiquer un épanchement pleural est l'échographie. Je pense que c'est extrêmement important de savoir maîtriser l'échographie. Ce que tu remarques en noir ici, c'est du liquide. À côté, c'est le foie. Ça te permet de diagnostiquer de tout petits épanchements pleuraux. Ça permet même de détecter des toutes petites quantités de l'ordre de 3 à 5 millilitres, alors que la radio du thorax ne détecte des épanchements pleuraux qu'à partir de 50 millilitres. Et le tout dernier, le scanner. Ici, tu as un épanchement pleural bilatéral. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.